Bonjour les amis golfeurs. Alors oui, la période est triste, on est tous en confinement, bien sûr, c'est pour le bien de tout le monde, on le sait. Mais voilà, c'est aussi l'occasion, ben, quand même, d'entretenir son petit jeu, combien important pour le scoring, une fois qu'on sera permis de reprendre le golf à l'extérieur. Soyons inventifs, regardez, on peut faire ses gammes au chipping notamment. Bon, là il s'avère que j'ai un bout de gazon synthétique, mais enfin vous pouvez utiliser un paillasson par exemple, un bout de moquette. J'ai pris parmi mes sand wedges mon lobber ici. Et puis j'ai trouvé dans la maison tout un tas de balles différentes. C'est assez ludique, vous voyez. C'est plutôt rigolo à expérimenter. Là, c'est une balle en mousse, c'est très léger. Vers ma boîte, j'ai choisi, vous pouvez prendre un carton, n'importe quoi. Choisissez la cible qui vous convient. J'ai évidemment sécurisé l'environnement, mis un matelas derrière. C'est parti pour celle-ci. C'est tout léger. Ah, oh, elle me revient, dites-moi. C'est pas grave, mulligan. Regardez, j'en ai une deuxième. Fois, ça a pris le bord de la boîte. Impeccable. Des balles de ping-pong aussi. Pas mal de gens parmi nous auront des balles de ping-pong à la maison. C'est tout léger, c'est ludique, ça vole bien. Ouais, c'est dans la boîte. Balle de squash. Alors ça réagit complètement différemment. Faut être ferme. Ah, juste un peu court, c'est pas grave. La balle de tennis. Ça aussi, ça réagit différemment. Alors à chaque fois, je suis challengé de trouver la bonne amplitude pour réussir le coup. Pas mal. Regardez ce que je viens de trouver incroyable. Eh bien, j'ai essayé le volant de badminton. Ça marche aussi. Il faut y aller franchement, par contre. Yes, c'est dedans. Alors évidemment, on a tous aussi la balle de golf, bien sûr. Là, faites attention évidemment à votre intérieur. C'est un peu plus dangereux, bien sûr. Allez, on y va. Un peu plus de bruit aussi, c'est sûr. Hein. Pour les voisins, pas terrible. Hein. Néanmoins, vous voyez, c'est ludique, c'est sympa. Ça nous permet d'entretenir notre petit jeu par-ci, par-là, des quelques moments. Et puis, ben, voilà, quand on aura la permission de nouveau de reprendre notre sport favori à l'extérieur, on sera d'autant plus efficace. À bientôt!